Bonjour à tous, je suis Alexandre Cordaro, représentant non officiel de la Fédération française de karaté Wushu, et on va voir aujourd'hui comment prendre sa licence sur Internet, sur l'ordinateur. À de suite. Pouh, effets spéciaux, changement d'angle sur l'ordinateur. Ok, alors sur Google, prise de licence FFK. Voilà, très bien. Donc ici, prise de licence, Fédération française de karaté. Quand vous cliquez dessus, ça vous amène directement à la page de la Fédé ici. Il y a plein de choses écrites, mais il faut aller voir ici, club et licencié. Club et licencié, accéder à votre espace. Allez, on accède. Code utilisateur. Le code utilisateur est un code qui a été transmis au président de l'association. Moi, il m'a fait confiance, il me l'a donné. Hop, et il m'a donné son mot de passe. Et moi, j'ai à mon tour fait confiance au site en l'enregistrant dedans de manière à ne plus avoir à rechercher. Mot de passe oublié, si jamais vous avez oublié votre mot de passe ou que ça ne marche pas, ben, il va falloir cliquer dessus. Mais attention, c'est sur l'adresse de votre président, l'adresse email de votre président que vous allez recevoir le nouveau mot de passe ou le chemin pour faire un nouveau mot de passe. Pour la première connexion, normalement, c'est au président de faire la première connexion. L'aide à la connexion, aujourd'hui, c'est moi qui vous aide. Donc aujourd'hui, l'aide à la connexion, c'est moi. Civilité, allez, on va marquer pour mon fils. Nom d'usage, bam, il s'appelle comme moi Cordaro. Prénom, Gohan. Ok, date de naissance, il est né en 2019, décembre. Tchouk tchouk tchouk, 22 décembre, ok, très bien. Numéro de rue 3, faites votre choix. Impasse, l'appartement, il habite au temple Shaolin Pérol. Parce qu'on est en train de déménager au club, donc c'est la même adresse que le club. Code postal, allez hop, 13 860. Il nous propose directement la ville. Le site est trop intelligent, il connaît tout par cœur. Adresse mail, je vais pas marquer parce que c'est la même que la mienne et que j'ai pas envie de mettre mon adresse mail sur YouTube. Après, je vais recevoir plein de mails. Mais vous avez mon adresse, vous êtes bienvenue à venir boire le thé à la maison, il n'y a pas de souci. Autorisation pour les coordonnées, oui, parce que c'est important. La licence, on devrait recevoir un document papier normalement à la maison. Le licencié en tout cas. Ok, suivant, on clique. Alors, ça arrive très souvent. On nous dit que la saisie de l'adresse n'est pas bonne et qu'eux ils trouvent pas. Donc, si vous êtes sûr de ce que vous avez marqué, si vous êtes sûr que le postier avec ça il trouve votre adresse, eh bien vous forcez. Et ça, c'est un très bon truc que du programme qu'on puisse forcer les adresses. Ok. Et donc, je vérifie des choses très importantes. Et en fait, ils nous ont mis ce qu'il y avait à vérifier. Le nom, le prénom et la date de naissance. La date de naissance est très très importante parce que ça va enregistrer à chaque fois pour les compétitions, dans l'épreuve, dans la catégorie. Hein, si l'élève il est poussin, mini poussin, pupille, vétéran, peu importe, la date de naissance elle va être très 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 importante pour les passages de grade et tout ça, très très importante. Après vous allez cliquer sur suivant. Alors moi je ne vais pas cliquer sur suivant parce que d'une mon fils il n'a pas pratiqué cette année, donc il n'a pas à avoir sa licence. Et de deux parce que bah, il est trop jeune, il a que 2 ans, voilà. Donc je ne vais pas lui prendre sa licence là. Ok. Alors, on a vu comment est-ce qu'on prenait la licence. Hein. Franchement, c'est plus facile que ce que je me rappelais. Peut-être parce que j'ai un peu préparé aussi avant la vidéo, pour pas vous faire perdre trop de temps. La licence Internet, elle est instantanée. La licence et l'assurance sont instantanées. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez cliqué en droit et en devoir, votre élève est assuré et licencié. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as cliqué, si ton élève il se casse le cou, eh ben il est assuré, il est pris en charge, tu vas pas en prison. Je touche du bois que aucun élève, ni cette année ni les années suivantes, se rompe le cou à l'entraînement. Hein. Mais c'est quand même bon à savoir. Je crois même que sur le chemin pour aller au club, il est assuré. Faudra vérifier, mais je crois bien. Et également en devoir, c'est-à-dire
À partir du moment où tu as cliqué, tu vas devoir payer la licence, évidemment. Hein. C'est comme quand tu achètes sur Internet n'importe quoi, si tu as l'habitude. Eh ben, à partir du moment où tu cliques, tu t'engages. Si t'es le, tu engages ton président, hein, parce que c'est avec le numéro, on l'a vu, du dirigeant, donc le numéro du président que tu as pris la licence. Donc, tu engages le président à donner l'ordre de payer, soit par prélèvement, ou soit il faut renvoyer les sous après. Ça dépend de comment est-ce que tu t'es inscrit à la FFK. Je ne sais pas s'il y a encore des possibilités de faire différemment, mais en gros, tu vas payer. Après, à quoi servent les licences? Alors, les licences, avant, nous donner les petites cartes comme ça, tac, où on collait les licences. Ben, moi, je les reçois presque plus. C'était sympa, ça avait un côté un peu prestigieux. On donne à son élève la licence, il était content. Mais c'était encore un document volatile. Et souvent, ben, quand on est à la compétition, on nous demandait la licence, le passeport, le truc. Alors, il commence à supprimer, il nous demande plus la licence parce que c'est pris sur informatique, donc chapeau. Hein, des fois je critique, mais quand c'est bien, je le dis. Ça commence à disparaître et c'est peut-être pas plus mal. La licence, elle va permettre de passer des grades. À partir de 14 ans, vous pouvez passer votre ceinture noire, premier dan, premier duan, premier dang, premier duen, bon, toutes les ceintures noires de la FFK. Dès 14 ans, ça veut dire que si vous avez un élève qui est prometteur, dès l'âge de 12 ans, il faut commencer à lui prendre sa première licence. Parce que 12 ans, il va avoir la première, 13 ans, la deuxième, et 14 ans, la troisième, la fameuse licence en cours. Et donc, il faut bien avoir trois licences pour passer sa ceinture noire. Donc, si vous êtes un petit prodige, que vous avez 12 ans, vérifiez avec votre prof qu'il vous prend bien la licence. S'il ne vous prend pas la licence, ben, peut-être que vous allez vous retrouver, ben, à 14 ans, dire je veux passer ma ceinture noire et vous ne pouvez pas. Donc, ça c'est important. Les diplômes avec les licences dès 14 ans, vous pouvez passer votre premier diplôme, l'AFA. L'AFA, c'est un diplôme d'assistant au professeur. Ça donne sur le plan légal presque rien, mais sur le principe, ça fait vraiment plaisir quand on a un assistant qui est diplômé, on met son diplôme sur le mur à l'accueil de l'école de Kung Fu et il est avec nous et les parents sont rassurés. Ils se disent oui, lui. Il a un diplôme, il a quand même une formation et tout ça, donc c'est vraiment cool l'AFA. Encore un truc que je dis du bien à la Fédé, parce que la Fédé fait plein de trucs bien quand même. Donc l'AFA c'est très sympa dès l'âge de 14 ans. Ils vont avoir le droit aussi de participer aux compétitions à partir des mini-poussins. Mini-poussins, je crois que c'est 6 ans de l'année en cours, ou 5 ans, ou 5 ans et demi, je ne sais plus exactement. Moi, par exemple, je prends les élèves à partir de 3 ans, 3 ans et demi. Ça veut dire que j'ai des élèves que, ben, ils peuvent pas faire la compétition, en fait. Hein. Et je sais même pas si ça marche de prendre une licence pour un enfant de 3 ans. Il faudrait que je vérifie ça aussi, parce que c'est un peu nouveau que j'en prenne des si jeunes. Il y a eu cette fameuse année Covid qui était un peu compliquée. Enfin bref. Sinon, il y a un autre document pour la prise de licence. Avant, on avait tous ce document papier avant Internet. Ce document papier existe toujours. Le voici. Donc voilà notre fameux document papier. Donc moi je l'ai montré sur ordinateur parce que ben, j'ai pas de document papier, j'en ai plus. Hein. Donc voilà, il nous demande le nom du club, tac 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 tac. Un petit peu finalement un peu comme l'autre, sauf que là ben il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qu'on marque, ben, ça sera pris parce que voilà, on va le remplir et on va l'envoyer. Là il nous donne un peu les informations, les assurances, les garanties complémentaires. Bon, ben. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, hein. J'ai cliqué dans demande de licence et après j'ai cherché dans les images, hein, pour le trouver. Alors vu que je suis là pour les infos, ce document il a une utilité spécifique également. C'est-à-dire que beaucoup de clubs, alors je sais pas si c'est une astuce, mais c'est même conseillé, plusieurs hauts responsables de la Fédé nous ont plusieurs fois dit ça. Quand vous avez les journées d'essai, c'est-à-dire en début de saison, en septembre, quand votre élève Il va, votre nouvel élève, même pas de nouvel élève, il n'est même pas encore inscrit, il demande une journée d'essai, il demande à faire un cours d'essai, souvent ben, on accorde un cours d'essai, tous les clubs le font, je crois. Eh bien, pour se couvrir, vous pouvez prendre ce document, l'imprimer, et dire, votre enfant peut faire un cours d'essai, ou vous, adulte, vous pouvez faire un cours d'essai, mais vous devez remplir la demande de licence, et donc vous leur faites remplir ça. À partir du moment où ils l'ont rempli, vous avez ce document qui va vous protéger. Si pendant le premier cours d'essai,
Sur le cours d'essai, vous êtes complètement fou et vous dites, allez, à ce cours-là, on va faire les sauts périlleux arrière. Et que les nouveaux élèves, ils font les sauts périlleux arrière et quoi, ils se cassent le cou. Ben, mine de rien, ce papier, il va vous protéger parce que il a signé comme quoi il voulait prendre sa licence. Et en signant ce papier, ben, vous allez pouvoir acheter la licence et ça devrait être rétroactif pour sa protection juridique. Et au moins, vous n'allez pas finir en taule. Quoi, normalement, ça vous protégera un peu. Votre avocat, il sera content d'avoir ce papier avec lui dans les mains. Bon, ce n'est pas pour donner de la magouille, hein, mais en même temps, c'est aussi un engagement. Quand le parent il va remplir le truc, il va voir que ça correspond à 37 euros, qu'il s'engage, si le cours se passe bien, à venir s'inscrire et tout ça. Donc, ça peut être un bon outil. Je suis là pour vous donner les outils. C'est vous qui faites votre bricolage à la maison. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que ça a pu t'aider à prendre tes licences ou à prendre des licences pour tes élèves. L'objectif, c'est pas de faire de la critique, c'est pas de dénigrer le travail qui a été fait. Au contraire, parce que je trouve que la prise de licence, elle est assez efficace finalement. De mémoire, je pensais que j'allais faire une vidéo plus critique, mais en fait, non, ça a super bien marché. Et ça, c'est finalement assez efficace. C'est plus efficace que manuscrit, donc c'est mieux maintenant qu'avant. Un point positif. Moi, j'ai bien apprécié. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne fin de saison. Petite note supplémentaire. Je fais cette vidéo, là nous sommes au mois de mai, bientôt juin, et c'est très important de, à la fin de l'année, de faire le tour de ces élèves, de vérifier qu'on a bien pris toutes les licences pour les élèves qui vont passer des grades prochainement. Ils doivent avoir leur licence pour pouvoir passer leur grade. C'est votre responsabilité. Vous avez une responsabilité envers la Fédé, mais vous avez une responsabilité envers votre élève. Il a pratiqué une année avec vous. Peut-être qu'il est venu en cours d'année. Vous avez oublié de prendre sa licence. Ça arrive à tout le monde. Moi, à la fin de l'année, je vérifie toujours mon listing et je regarde surtout mes élèves qui vont se réinscrire et qui vont passer un grade prochainement. Il ne faut pas qu'il leur manque une licence, sinon ils ne passeront pas leur grade. S'il avait une licence là et que vous ne l'avez pas pris cette année et que l'année prochaine il comptait passer sa ceinture noire, et bien non, il n'aura que deux licences, il ne passera pas sa ceinture noire. Donc je vous invite vraiment jusqu'à juillet, août, on peut encore prendre des licences sur Internet, vérifier à la fin de l'année, demander à vos élèves qui c'est qui va passer des grades, qui c'est qui revient, essayer de voir et prenez-lui la licence si vous ne l'avez pas déjà prise, parce que ça peut être un gros handicap pour son parcours dans les arts martiaux. Surtout si vous avez prévu qu'il devienne assistant, qu'il vous donne un peu la main, qu'il coach un peu pendant les compétitions, ce genre de choses, ou qu'il veut passer des diplômes d'enseignement. Voilà, c'est très très important. Allez, je compte sur vous, déconnez pas. Allez, bis, ciao ciao!